Dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale des arts décoratifs de Paris, des étudiants de la section design objet ont travaillé sur la production de ressources et de supports qui permettent de comprendre les éléments de la génétique. Vous avez été pleinement engagé dans ce projet. Pouvez-vous nous dire ce que vous retenez de cette expérience? Eh bien, donc moi je suis Françoise Carpentier, administratrice et déléguée de France de l'association Fragile X France, l'association d'aide et soutien aux familles atteintes du syndrome X fragile. J'ai participé au projet de création d'outils de soutien et de consultation de génétique avec les élèves de l'INSAD. Nous avons échangé sur mon parcours de maman et de membre de l'association. Et c'était très, très intéressant. Les jeunes étaient très motivés et avaient vraiment envie de nous aider à mettre à bien ce projet. Nous avons eu des échanges très riches. J'ai été agréablement surprise par la restitution de leur travail, par leurs idées originales d'utiliser du bois, des tissus, des pictogrammes et des couleurs vives, chatoyantes. C'était vraiment une très bonne expérience pour laquelle je tiens à remercier le réseau d'efficience et l'école l'INSAD. J'espère sincèrement que ce travail portera ses fruits et sera utile au plus grand nombre d'entre nous.